Voilà, la transition. Après l'habillage, il y a la transition. Alors, nous allons prendre la progression des do vers mi set. C'est dans les standards des All of Me. Alors, nous sommes sur do. Avant d'arriver sur mi, d'abord, je vous propose ce qu'on appelle Intipolated. Donc, je vais faire précéder l'accord 7 par un accord mineur, donc par un si mineur. Hein? Voilà, c'est le principe de l'harmonie. Alors, nous allons essayer avec les standards. Je vais juste décaler la partie. On va essayer. Vous voyez ce qui va se passer. Donc, nous aurons Do avant d'arriver sur Mi. Je joue d'abord Si mineur, puis je descends sur Mi. Je peux changer ma position. Avec le morceau, on va voir ce que ça va donner. Ça, c'est une transition. Et une autre transition, on peut faire les deux comme si c'était un D5 mineur. Vous voyez? Parce que ici, avec ces deux accords, c'est comme si nous sommes de la tonalité de La majeur. Vous voyez? Maintenant, je veux faire les D5 mineurs, les La mineurs. Vous voyez? Donc, les deuxièmes degrés, il sera plus mineur 9, mais ce sera demi-diminué. Vous voyez? Ça change de couleur. Ici. Voilà, ce sont là des transitions. On va essayer avec le morceau. Des transitions. Une autre transition, je peux proposer l'accord mineur, c'est ici, je peux mettre ça mineur 11, et puis à la place de mi, je remplace mi par un triton. Ouais. Tout ça sont des transitions que nous trouvons dans des capidias. Ouais. Par exemple, j'aurai. Si bémol plutôt, si bémol 7, je tenais bien 7, 9 et puis 11 dièse. Ok, on va essayer avec ça. Voilà, avant. Voilà, souris, je vais faire ça. Voilà.
transition, voilà, le deuxième degré, ici, mineur, ne sera plus mineur 7, ça devient un demi diminué. Et puis on fait un triton par là. Ouais. C'est avec le son. Voilà, on a un peu. Alors, la dernière transition, je vais faire les si mineurs. Je fais les tritons des si mineurs qui est fa. Et puis je descends sur les tritons des mi. Donc ça fait ça. Soit. Transposition. Alors, en dehors des transitions, il y a aussi des substitutions.